Yo les BG, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2 du road trip dans toute la France. C'est parti. On va manger la meilleure glace qui existe. C'est vrai? Je te jure. On s'en branle le... Oh, oh bâtard. Mais les gars, vous bloquez la route, dépêche-toi de faire la photo. Tu veux faire un tour? Il nous amène. Allez vas-y. Ça doit taper des soirées ici. Ça doit taper des fiacs. Voilà. Ouais, j'avoue que ça doit ken. Je comprends pas, je cherche un Hugo depuis toute la journée. Je suis là, je suis là. J'ai encore la tête dans le cul du matin. Je viens de me lever les gars, je viens clairement de me lever. Dobby est parti se laver, du coup évidemment les gars, avant de regarder cette vidéo, bah je vous conseille de regarder la vidéo qui est sortie hier, qui est tout simplement le jour 1 du road trip dans toute la France. Regardez-moi ça quand même, l'endroit où on a dormi avec Dobby les gars, c'est une dinguerie. Petit débrief de la nuit, et bah franchement j'ai trop bien dormi. Alors par contre, on s'est réveillé hyper tôt parce que forcément, bah on s'est fait réveiller par le jour. Là il est 7h14, on s'est réveillé hyper tôt. Il y a le petit déj qui arrive à 8h, tu sens. J'ai même pas eu peur. T'as bien dormi toi? J'avais mal au ventre un moment, mais après j'ai trop bien dormi. T'avais mal au ventre? Mal au bidou. Par contre Dobby, t'as cru que t'allais m'arnaquer? Tu devais mettre le Marcel. Mais je l'ai mis. Mytho. Bah si frère. Bah de toute façon j'ai pas filmé mec. J'ai trop transpiré frère. Non arrête de mytho. Tu sais que t'as parlé de cette nuit? Arrête de mytho. Filme ma mère. J'ai parlé. Ouais. Mec, je viens d'apprendre, je parle dans la nuit. Vraiment t'as respiré archi fort. C'était genre... Genre j'ai l'impression que tu faisais l'amour tu vois. Et du coup après t'as fait, t'étais comme ça, tu fais Genre je sais pas, justement tu devais rêver comme tu dis tu vois. Bah attends, est-ce qu'il va pleuvoir? Parce que les gars, nous on va devoir rouler. Du coup à 8h30 on part en vrai. Bah ouais. Sauf que on n'a pas d'essuie-glace. Donc s'il pleut c'est la merde. Oh mais il pleut plus. Là on va à Strasbourg. Oh. Et après tu verras. Bref, bah les gars, moi je vais m'habiller et Dobby tu vas mettre ton Marcel. Mais je l'ai mis, pue sa merde je pense. Mais non mais juste pour te voir avec. Je suis sûr le commentaire du vlog jour 1. C'est Dobby l'a pas mis son Marcel, Dobby l'a pas. C'est sûr, il y a que ça dans les commentaires. Ah gros référencement, tu coco. Ah, pour les commentaires, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, abonnez-vous et mettez pouce bleu, les gars. On est parti pour le jour 2. C'est parti, je vais m'habiller. Est-ce que mon flow du jour est validé, les gars? Là, je suis en vacances, les gars. Non, j'aime bien. Du coup, on va aller voir Dobby là. Je lui ai dit de mettre son Marcel. Il y a plein de trèfles par terre. Vous savez que j'ai trop envie. Wesh. Oh, attends. Oh, aujourd'hui, c'est mon jour de chance, les gars. Mec, tu vas pas me croire. Je t'attendais, moi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Non mec, t'as vraiment un flow, il est négatif hein. Quoi, mec, tu veux t'as... Pas que je... Non, t'as pas trouvé un trèfle. J'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles gros. Mec. Bah vite ta mère. Mais gros, il a 4 feuilles wesh. J'ai un trèfle à 4 feuilles gros. Bon bah les gars, on attend le petit déj hein. Bonjour. Bonjour, super bien dormi ouais. Et bah bon appétit. C'est le petit déj, merci beaucoup. Ouh le petit déj. Ah ouais, c'est des bouteilles qu'ils ont donné. Moi j'ai pris jus d'orange, Dobby jus de pomme. On a clairement une bouteille. Oh les croissants. Ah ouais, t'es comme ça toi. C'est quoi? Je vais goûter le jus d'orange. Si le jus d'orange est bon, ça veut dire que le jus de pomme est bon. C'est pas un vrai jus d'orange pressé, mais il est grave bon. Le croissant dirait un petit crabe. Petit déj de qualité. Le petit déj est ma conquis. Bon bah on va aller payer pour le petit déj et tout les gars. Et je pense qu'on va y aller hein. Allez c'est parti, direction l'accueil pour payer. Et après on va à Strasbourg. On va à Strasbourg. Mais qu'est-ce que tu branles gros? Mais gros tu fais du hors-piste. Mais t'as cru que c'était un 4x4? Aïe. Bienvenue, bon c'est un jour pour passer dans le coin. Bah c'est gentil. Et bah merci à vous. Merci beaucoup, merci infiniment de l'accueil. Bonne journée. Écoutez, au plaisir de vous revoir. Allez c'est qui part? On est carrément sur la route mon grand. 1h30 de route, c'est carré. On se retrouve quand on est à Strasbourg. Mais non, le panneau Strasbourg. Hugo? Pas Hugo. Ah, il m'a regardé quand même. Ouais. Vous vous appelez Hugo? Toi, t'as zéro gêne. Gros, ils s'appellent pas Hugo. Mais moi, je suis trop gêné, wesh. Mec, oublie pas qu'on doit trouver Hugo. Attends, je vais demander à la mamie. Madame, excusez-moi, vous appelez Hugo? Elle a même pas tourné la tête. Mec, cette place, ça me fait penser à Rennes, gros. Parce qu'à Rennes, il y a une place exactement comme ça avec le même manège. Parking Gutenberg. On va au parking. Eh, en fait, les gars, aujourd'hui, on n'a pas dit bonjour. Ça dit quoi, Padna? Tu vas bien, Padna? Eh, en fait, faut toujours qu'on achète des caleçons pour moi. Donc, si je peux acheter des caleçons strasbourgeois, ça me va. Parfait. La Fiat Panda derrière la Peugeot 208. Oh bah gros, il fait bon vivre ici. Ils ont pas les couilles. On va manger la meilleure glace qui existe. C'est vrai? Je te jure. Vas-y, ça va être une dinguerie. Mais tu nous... Mais gros, mais depuis tout à l'heure tu me fais marcher en rond là. Wesh, papa. Attends, pas sa culotte. Mec, elle a pas de culotte gros. J'ai l'impression que les Strasbourgeois ils oublient de mettre leur culotte. C'était ça? Non, c'est fermé. Ça ouvre à quelle heure? 2016, 2017, 2018. Putain mais mec, j'avoue c'est incroyable. Tu m'as amené là pour manger une glace pour que ce soit fermé gros. Viens, on appelle. Est-ce
qu'il y a une heure à laquelle on doit partir de Strasbourg? Bientôt, 11h. Ça ouvre à 11h? Ouais. Mec, on va attendre ici comme ça pendant 15 minutes. On veut notre glace. Viens, on va à King jouer, on s'achète un petit jouet. Vas-y, on va à la Fnac. Vas-y, on va à la Fnac. Faut pas oublier, je dois acheter des caleçons. Des culottes. Mais je vais pas acheter des culottes. Intimissimi. Oh, encore plus dur le nom. Papa, on arrive clairement à la Fnac. Bon, c'est pas ici qu'on va trouver des caleçons, mon pote, hein, je te le dis. Hein. Donc là, on est à la Fnac pour trouver des boosters Pokémon. Ouais. Mais il y en aura jamais. Hein. Il y a des livres Pokémon là. Attends. Y'a pas de booster. Je jure, y'a des boosters magiques. Y'a des boosters de l'euro. Y'a des boosters euro. Mais y'a pas de booster Pokémon. Au pire, viens, on prend un booster de l'euro. On achète un booster de l'euro, on doit pas qu'il y ait Mbappé. On en prend un chacun. Deux chacun. Vas-y, deux boosters chacun. Mbappé, c'est un peu notre Dracaufeu Shiny aujourd'hui. Ouais. Oh, le booster de l'euro 2020. Attends, mais déjà, on découvre les cartes. Si ça se trouve, elles sont éclatées, les cartes. T'as eu Modric là? Ouais. Attends, mais t'as eu un trio, gros. Ouais. Ruben Neves. Ouais, pour l'instant, c'est pas ouf. Nico LVD. Pas... Oh, y'a des ballons. Oh, Fatih, très bon joueur. Oh, De Bruyne. Oh, ça serait très bon joueur. Très, très bon joueur, ma meilleure carte. Kevin De Bruyne, incroyable. Meilleure carte. Là, c'est ta meilleure carte. Ouais. J'attaque mon booster, gros. On s'en branle. Oh, le bâtard. Oh, Antoine Griezmann. Oh, Florenzi. Mec, j'ai Florenzi Griezmann. On va pouvoir refaire le PSG. Hein. Florenzi, je mets dans les rares. Oh, Thibaut Courtois. Zomna. Et attention, le dernier. Mais t'as encore une approche, non? Thomas Meunier. Ah ouais, tu t'es mis. Incroyable. Bien, j'ai eu Griezmann. Attends, il est où? Oh, bâtard. Oh, Griezmann. Ok. C'est lui. De quoi? C'est lui. Ah non, ça, c'est un fake. C'est pas moi. Mais t'as déjà fait une vidéo avec des cartes Pokémon? Ouais. Est-ce que t'as des cartes Pokémon? J'ai Ah, t'as que des nuls. J'ai pas de carte Pokémon. Parce que là, je suis venu sans carte Pokémon. Mais si tu veux, je t'offre Antoine Griezmann. Merci. T'aimes bien l'équipe de France? Ouais. Bah, je t'offre sa carte. Vas-y, mon ref. Bonne journée. Salut. Attends, gros, y'a un truc de bretzel. Mec, go manger un bretzel. Nos bretzels sont bio et d'Alsace. Dobby, on a notre petit lot de bretzel. Et 1€ le bretzel. Hein. Bon, les petits refs, au final, il est déjà midi. Donc, c'est déjà l'heure de manger. Donc, ce qu'on va faire. On va aller au Five Guys, c'est une dinguerie. Et du coup, on va manger la glace après. Les gars, on vient de récupérer le Five Guys. Je suis avec des abonnés, vous êtes en train de faire un clean wall. Oui, c'est ça. Les boss, elles étaient dans la rue en train de ramasser. Franchement, les boss. Ouais. Les gars, vous appelez comment? Elohim. Elohim. David. Victor et Célia. Ok, il n'y a toujours pas le prénom qu'on veut. Bon, les gars, il n'y avait pas de terrasse sur le Five Guys. Donc, pour manger tranquille, on a un petit banc au milieu d'une ruelle et ça pue la pisse. Il y a double steak. Oh, Dobby, le petit croc. Il y a double steak. Mais mec, t'as eu de la chance. Normalement, tu devrais en avoir qu'un. Oh là là, ça dégomme. Oh, ça dégomme. C'est une dinguerie, hein. Ok, je vais goûter mon burger, gros. Mais attends, mais même moi, il y a double steak. Mec, ils sont vraiment trop bons. C'est grave bon, mais ça pue la pisse. Ah ouais, on parie 10 euros. Il me reconnaît pas. Oula, je crois qu'il m'a peut-être reconnu. Il est rentré dans le magasin? Bah non, chez lui. Oh, il vient. Je crois que j'ai perdu 10 balles. Attendez, c'est Michou? De quoi? C'est toi, Michou? Toi, c'est Hugo. Non, c'est pas Hugo. Ah merde. Dobby, t'as gagné 10 balles. Bon, en vrai, j'ai payé le Five Guys. C'est bon? Dernier croc, mon ref. J'ai démoli le burger. Gros, on goûte le bretzel? Ah, mais attends, mais ils sont énormes. Waouh, ça fait un cœur. Bretzel. Moi, c'est ça, les yeux. Ouh, j'avoue. Mais j'avoue, je croyais que c'était sucré. Bah, en vrai, les gars. En vrai, on est entré, ça va. Ouais, là, après le burger, ça fait pas plaisir. Vous voyez les gâteaux apéro? Genre, il y a plein des les petits bâtons. Bah, ça a goût de ça en meilleur quand même. Moi, c'est pas mon délire en vrai. Ça va, les gars? Ça dit quoi? J'ai une question. Est-ce que vous vous appelez Hugo? Non. Ah, merde. Est-ce que vous voulez un bretzel? Franchement, c'est vrai? Vas-y, bah, il y en a 3. Bah, je vous les donne, les gars. Moi, je vous avoue. Je suis trop bien. Je suis pas fan. C'est vrai? Ouais. Vas-y, bah, les gars, bonne journée, hein. Bon, on rentre. Ah non, la glace. Mais go manger la glace. C'est là. C'est ouvert. Ça va ou quoi? Ça dit quoi les gars? Bien? Tranquille. Et est-ce qu'il y a un Hugo? Ouais, Hugo. Non, c'est des mythos. Ta carte, montre-moi ta carte d'identité. Hugo. Hugo. Attends, mais lui c'est Hugo. On a. Je t'ai payé un truc. Et j'ai mangé. Ah ouais, c'est gentil. Si toi tu aurais gagné, je t'aurais payé. Si moi j'aurais gagné, tu m'aurais payé. Regarde, je fais un bottle flip. Si je le mets, tu me payes une glace. Ah mais faut boire un peu. Vas-y. Attends, mais il est où Hugo là? Non. Fais un truc. Si tu le mets pas, tu me fais une pub sur Insta. Si je le mets pas, je te fais une pub Insta. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Un essai. 3-3. Vas-y, 3, c'est bon. Hugo, il a parlé. Hugo, il a parlé. Mais Hugo, tu sers à quoi, frère? 2, 2, 2. Ok, t'es prêt ou pas? Je suis prêt.
Allez hop, on a gagné une glace. C'est bien mon pote. Hugo, faut qu'on fasse un truc toi et moi. Tu comprends pas? Je cherche un Hugo depuis toute la journée. Je suis là. T'es là frère. Y'a quoi? Attends, viens, on va voir. Moi tu sais quoi, classique. Vanille chocolat. Bonjour. Il y aura une glace vanille chocolat s'il vous plaît. Encore un nez, oui s'il vous plaît. J'aimerais trop avoir votre vie avec Inlox et tout. C'est une dinguerie, on a de la chance en vrai. Je t'ai demandé une pub parce que genre moi je me suis dit vas-y j'ai lancé YouTube. Mais gros, c'est quoi ton Insta? Vas-y, c'est Arthur tire du bas SCHS. SCHS. Oui. Suivez-le, c'est un bon, c'est le boss. Il me paye ma glace. Les gars, c'est un chef d'œuvre. Je vais vous prendre une. Tu payes même la glace Adobe? Oh, t'es un monstre. Oh lolo. Il y a la Fnac à côté. Tu veux pas un truc? Ça un cadeau. Des AirPods, ou... Tu veux des AirPods? Vas-y. J'avoue, t'es là avec tes écouteurs fil. Vas-y, gros. Tu sais quoi après? Je t'offre des AirPods. Vas-y, ça va. Non, il t'offre des AirPods. Ouais, tu te rends pas compte, je suis trop content de te voir, Hugo. Ouais, moi aussi, ouais. Mec, ça fait trop plaisir. Mais gros, on est venu vraiment ici que pour la glace. Mais prêt, gros. Mais du coup, là, j'ai une pression. Ah ouais, c'était écrit que c'était bon. En vrai, c'est une très bonne glace. Vas-y, Zoubi, l'équipe. La glace est très très bonne. Mais tu pensais que c'était mieux? Mais je m'attendais à mieux. La Fnac, le retour. En vrai, Hugo, tu les mérites, AirPods. AirPods ou AirPods Pro? Tu peux te régaler, tu peux te régaler. Allez, AirPods Pro, les AirPods Pro. Quoi? Oh, mais t'as craqué pour les boosters. On avait 11. Ah ouais, t'as kiffé les boosters FIFA, toi. Mon ref, t'es AirPods Pro. Voilà mon petit Hugo, hein. Ça régale, hein. Vas-y, les gars, bon. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes les boss. Bah ça fait plaisir gros, on a trouvé le Hugo. On a trouvé le Hugo du voyage. Prochain abo qu'on croise, on lui donne un nouveau prénom. Prochain abo qu'on croise, il doit nous donner un prénom. Ouais, une fille. Vas-y, une fille cette fois. Du coup là on va où? Prochaine destination Dobby? Regarde. La prochaine destination les amis. Cambrai. Vers exactement, Cambrai. On a presque 2 heures de retard. On va à Cambrai? Ouais. On a 2 heures de retard là. Okay. Ah merde. C'est parti, direction Cambrai, combien de temps de route? 4 heures. Oh putain. Ouais. Gros, tu vas conduire les 2 premières heures, moi je vais dormir. Mec, la glace ça m'a mis trop bien. Super. Alors, pourquoi vous avez pas fait la carte grise aussi? Allez, au nom de la société qui est là. Avant qu'on fasse passer le chien et qu'on fouille, vous avez des produits de soumission sur vous? Non, du tout, on est en vidéo YouTube, donc je vous avoue que c'est le truc qu'on fait. On fait ça, on fait un tour de France donc. Ah ouais? Non, vous avez pas les sous-glaces? Il vient de tomber. On a eu un souci sur la route. Mec, je crois que tu nous as sauvé la vie. Hein. Heureusement que t'avais l'air sympathique. Ouais. Parce que gros, on a passé le test, les gars. Il y avait les gendarmes au péage. Alors, les gars, en vrai, c'est vraiment une catastrophe parce que normalement, l'assurance est sur le pare-brise et je l'ai pas mise. Ensuite, la carte grise, elle est pas au bon nom. Et ensuite, il nous a dit, vous avez pas des sous-glaces? Normalement, c'était une catastrophe. Et comme ils ont bien vu que tu vois c'était une Fiat Panda, enfin, c'était un délire bizarre, ils ont été sympas, ils nous ont laissé passer. Ouais. Et Dobby il a bien parlé aussi. Chaud. J'étais en train de dormir comme ça là. Il m'a tapé comme ça, il a fait. T'as les papiers, t'es sûr? Les gars, là, on va mettre de l'essence. Premier jeu, faut que tu fasses un compte-rond tout rond. Ouais, un compte-rond, normalement, c'est combien là? 40 euros? 50 euros? Ouais, 50. Bah, tu mets 50 euros. Ou alors, c'est 55. Tout pile. Ouais, il n'y a pas de 51, pas de 52. C'est soit 50, soit 55. 50 tout pile, vas-y. T'es prêt ou pas? Attention. Ah, yes! Oh le bâtard! Oh, j'ai trop le seum! Attends, je vais essayer 52. Mais gros, c'est une blague! De la police. Mais non, ça va bien. Bah on est en road trip là. Salut les gars. Les gars, on est avec des abonnés gendarmes. Salut. Vous avez fini là ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore. Hein, tu fais contrôler tout à l'heure. Là vous allez voilà. Où? Là c'est Cambrai. Elle est sympa la panda là. Ah t'aimes bien, si merde. Bon, Dobby, on est reparti. Allez. On est à Cambrai mon grand. Eh hey, Dobby. Oh la Cambrai mon grand! Je kiffe les bonbons. Oui, les bonbons de Cambrai, ça me dit un truc, c'est connu. Mais on va vraiment pour manger que des bonbons là? Ouais, apparemment c'est l'une des meilleures confiseries pareil. Parce que oui, en vrai les bonbons de Cambrai, ça me dit. Mais c'est une grande ville Cambrai ou pas? Y'a du lit? Bah je crois, hein. Ça a l'air d'être une grande ville. Hein. Mais attends, mais on va dans un truc industriel là. Bah ouais, c'est pas une confiserie. Mais on est invité ou c'est. Non, bah non, c'est une boutique? Ouais, c'est une boutique, ouais. Regarde, prends une moule. Hein. C'est tout droit, vas-y, avance. C'est tout droit là? Ouais, avance. C'est à 200 mètres. Ouais, avance. Mais gros, tu me fais avancer de 200 mètres. C'est ça là? Ah, les bêtises de Cambrai. Oh, c'est fermé. Non, sérieusement. Non. Attends, viens, regarde jusqu'à quelle heure c'était ouvert. Ça ferme à 18. À cause de ton retard aussi là. Il est quelle heure? Il est 18h25. Bon, on va dans le centre-ville. Vas-y, putain, gros, on est bien à Cambrai. Wesh, on est où là? Mec, c'est une dinguerie. Par contre, là, ça me rappelle vraiment le Nord. Hein. Regarde, là, il y a des trucs chocolat. Barabit. Ah non, barabier. Mais là en vrai, je me gare, non? Bah oui. Ce qui est bien avec la Fiat Panda, c'est facile de se garer. Les gars, on est enfin arrivé à Cambrai, bordel de cul. Donc là, objectif, trouver un caleçon et des bonbons.
Ah, Dobby, là, ça fait plaisir. Il y a du soleil, gros. Là, je suis carrément en vacances. Attends, il y a tout le monde qui s'est retourné. Yo! Vas-y, mon ref, vite fait, en balle. Je vais demander un prénom. Tu vas bien? Toi, tu tranquille? Coucou, ça va? Ouais, ça va. Tu veux quoi, ça Cambrai? Hein? Je cherche des bonbons. Bêtises de Cambrai, Michou. Les bêtises de Cambrai, ouais. Exactement. Toi, dis-moi, comme tout ça, tout là. Maintenant. Là, tout de suite, maintenant, un prénom fille. Enfilé. Maintenant, un prénom de fille. Brittany. Mais gros, mais non, mais les gars. Un prénom de fille. Chloé. Voilà, merci. Voilà, merci. Merci. Ok. Du coup, gros, faut trouver une Chloé. Mais du coup, en fait, le centre-ville, il est vraiment là-bas. Ouais. Oh, Dobby, je sais peut-être où il y a des caleçons. Ziman, en vrai de vrai, ils vendent des caleçons, non? C'est fermé. C'est fermé? Mais c'est pas fermé, gros. Mec, c'est des vrais caleçons. Mec, j'ai un caleçon pour l'euro, gros. Incroyable. Ah, c'est 10-12 ans. Il n'y a pas de caleçon ballon de foot à ma taille. Oh, c'est des bobs. Oh, mec, fais voir. Oh gros, c'est une dinguerie. Si on te reconnaît comme ça. Mais mec, non mais là, tu crois on va me reconnaître là comme ça? Vas-y, je prends. Viens, oui, achète des trucs comme ça. Mais si, des petites lunettes là. Mais des petites lunettes équipe de France. Mais je peux pas en mettre par-dessus. Mais moi je peux. Bah vas-y, prends. Oh, des petites tongs. Ouais, j'ai pas de tongs, j'ai pas de claquettes. Des lunettes, des tongs équipe. Mec, j'achète n'importe quoi. Au revoir. Papa, papa. J'ai mes caleçons, mon gars. Attends, le bob. Non, viens, je garde l'étiquette. Ouais, là, t'es pris, ouais, je garde l'étiquette. Ça va encore faire plus que tourner les gens. Hop, c'est parfait. En vrai, c'est dingue un bob, mais je vois rien. Là je vois plus rien. Ah si. Si, il y a des bonbons. Il y a la bonne humeur, il y a la bonne humeur. Oh. Hey, j'ai une question, mon ref. Comment vous vous appelez, les habitants de Cambrai? Cambrésiens. Les Cambrésiens. Tu vois, c'est, je te l'avais dit. Gros, le palais impérial. Mais gros, la vie de ma mère, c'est un magasin qui a chez moi, Albert. Salut. Ça va, vas-y, bien sûr. Ça vous dérange pas si je vous filme? Bah, j'ai juste une question. Ouais. Tu t'appelles comment? J'ai la vie de ta mère. Tu t'appelles Chloé? Du coup, t'es obligé. Il fallait à tout prix qu'on trouve une Chloé. Les gars, on a trouvé une Chloé. Ouais. Mais tu t'appelles vraiment Chloé? Je m'appelle Chloé. Est-ce que tu veux des lunettes de France? Vas-y. Bon bah je lui donne mes lunettes. En vrai j'ai le seum. Tiens, t'as gagné des lunettes. Merci. C'est parce que tu t'appelles Chloé. Voilà, c'est carré, hein. Bon, Dobby, on est à Coccinelle. Ici, on peut trouver des bêtises de Cambrai. Et ce soir, on mange quoi? On dort où même? Je sais pas, faut qu'on trouve un abonné. Quoi? Et on va partir. On va aller à la plage, un peu plus au nord. On va à la plage, en vrai? Ouais, c'est bon, ça fait oh, la dinguerie. Viens, on trouve des bêtises, on va à la plage. C'est des trucs comme ça, là. Oh, je les ai déjà vus, ces bonbons. Et j'en ai déjà mangé, c'est sûr. C'est trop bon. Bon, ça a l'air d'être la marque. Mais tu sais que le Nord, là, je me sens chez moi de ouf. Ah bah oui. Non, mais vraiment. Hein. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Revoir. On a les bêtises. C'est bon, on peut rentrer à Paris. On a les bêtises, mec. Eh, hey, regarde, Dobby, j'ai un truc. Je suis en train de faire une bêtise de Cambrai, c'est pas mal. Du coup, on se met sur un petit banc, on goûte les bêtises. Ouais, ça arrive en balle, hein. Ouais, j'avoue, on est sur... C'est pas grave, c'est les pas grave. Vous aussi, vous voulez une photo? Oui. Eh, on est venu juste pour vous. Vous êtes venu pour moi? Bah oui. Mais comment vous savez que je suis là? Bah, ça tourne en Cambrai, là. Partout, hein. Mais ah, nickel. 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 Vas-y, ça me plaise. Vas-y, nickel. Ça dit quoi, les gars? Vas-y, vas-y. Mais les gars, vous bloquez la route, dépêche-toi de faire la photo. Tu veux faire un tour? Dobby, il nous amène. Allez, vas-y. Vas-y, monte. Mais chou. Non, mais attendez, c'est quoi ce bordel? Là, oh. Vas-y, nickel. Vas-y, l'équipe. Non, c'est pas bon, allez, wesh. Gros, les gars, en vrai, nous, on est garés, regardez. On est garés là, wesh. On est garés là. Y'a un mec qui prend notre fiat en photo. Attends, viens, on descend, wesh. Y'a un mec qui prend notre fiat en photo, gros. Si, merde, les gars, en vrai, vous nous avez sauvés. Il commence à avoir trop de monde. Attends, il est là. Il est là, le mec. Oui, il est là-bas. Nous, on va décaler, Zoubi, Simer. Encore plus de bruit, Zoubi. Mais gros, tu sais que là j'ai l'impression pour de vrai là, on reste, requinqué, par mec, contre, moi. On reste 10 minutes de plus ici là. C'était la merde. Ça part en soirée, hein. Mais mec, je suis choqué. En 10 minutes, ça, on s'est mais attends, fait mais en fait, j'ai l'impression que genre, c'est comme une toile d'araignée. Tout le monde se connaît. Ils ont un groupe WhatsApp genre en mode ouais, s'il y a une dinguerie, t'envoies un truc ici genre. Ils ont le groupe des dingueries. Oh les gars. Gros, je suis exterminé. Pour l'instant, Cambrai, j'ai kiffé. Bah pour l'instant, moi c'est le best, hein. Coup de cœur, hein. T'es malade. J'ai bien fait de conduire, je pense. Ouais, ouais, heureusement tu conduis là. J'aurais été trop stressé, moi. Du coup, là, on va à la mer. On va à Dunkerque. Ouais. Les gars, on va s'arrêter d'abord pour manger petite dégustation des bêtises de Cambrai quand même, parce qu'on a même pas eu le temps de goûter. Mec, là, ça va être une dinguerie. Bon, les gars, on a fait un petit bout de route. On s'est arrêté au milieu de la route là. Dégustation des bêtises de Cambrai. Mec, je m'assois dans l'herbe. Tu rentres, toi. Dégustation des. Non, mais oh, j'ai cru t'allais le faire. Dégustation des bêtises de Cambrai. Oh, c'est à la menthe. Ouais. Je pensais pas ça allait être à la menthe. Si, c'est à la menthe. Ça m'a perturbé, je m'attendais à ce que ce soit caramel genre. Mais c'est trop bon. C'est un bonbon à la menthe, hein. En fait c'est. Ouais c'est ça, c'est un... en fait c'est un bonbon à la menthe. Ah ça pue caca. Ah c'est vrai en plus. Mais ça pue la merde là. Ah il y avait un camion de caca qui est passé. Salut Dobby, il y a un ouais. Truc qui me fait plaisir. C'est que là tu vois avec le temps qu'il y a, je vais rouler, je vais conduire. Mais je vais conduire avec les lunettes de soleil. Et ça, ça n'a pas de prix. Arrête, toi, chien des voisins.
Oh, les gens. Ah ouais, j'avoue. Vas-y, bah, mec, donc là, on va à la plage, mais en même temps, il va falloir trouver un abonné pour dormir chez lui. En vrai, ça va être dard. Mon frérot, c'est que ça commence à sentir la mer là. Ça sent la mer là. Ça sent le sel. En plus, attends, mes frères, je pense à un truc. Oh là là. J'ai faim de ouf. Mais non, mais j'avoue qu'on a pas graille. Et on pourra pas. Tu vois, manger. Tu viens de me rappeler que j'avais faim. Bah si, on mange chez l'abonné. On se garde là. Comme si on billet. Bam. Le créneau est de qualité, mon ref. Oh, le vent frais. Mec, là, on a vraiment un petit vent frais. Hein. Mais attends, j'ai une question, Dobby. On va aller se baigner ou quoi? Non, c'est pas ici. Comment ça, c'est pas ici que je vais me baigner? Bah après, tu peux aller là aussi, t'as le droit. Moi, je te le dis, je vais aller tremper les pieds, mon coco. C'est stylé, gros. Là, je reconnais les plages du Nord. Mec, le sable, c'est qu'il est vraiment doux. Je vais leur demander si on peut faire du cerf-volant. Viens, on va aller voir. Vous allez bien, les gars? Vous faites quoi? Du kitesurf. Ça s'appelle du kitesurf? Ouais. Les boss. Ah, vous m'avez reconnu. Ah, reconnu. T'as reconnu la voix? J'avoue, la voix, elle est atypique. Je me teste? Ouais, en vrai, c'était chaud. Oh, mec, c'est une dinguerie. Ouais. Oh, c'est trop stylé. C'est ultra sécurisé. Mais déjà, ça tire, hein. Ouais, bah, on a bien reculé. Oh, voilà. Wesh! Ça tira. Je te laisse tout seul un peu. Oh, le vent il est vénère. Oh. Ah ouais! Et vous faites ça dans l'eau quoi en plus. Ouais, ouais, dans l'eau. Attends, mais what? Mais gros, je me suis fait emporter. Là, je la prends doucement, je recule, je tire pas sur la barre. Tu là. Tires. Oh, c'est dingue. Ouais, bah non, tu vas finir là-bas, mon ami. Je vais finir dans la mer. Tu veux qu'on fasse du foil ou pas? C'est quoi du foil? Ah si, laisse les tester. Vas-y, j'ai envie d'essayer. Ça, mais tu non, pourras tu pas essayer ça. Ah, ça, je peux pas essayer. Bah, déjà, c'est dans. Vas-y, essaye toi. Oh, il va montrer, il va montrer. On doit trouver quelque part où dormir. On doit dormir chez des gens. On doit dormir chez des abonnés. Vous êtes chaud ou pas en vrai? Ouais, tiens, on appelle les darons, pas en vrai. Faut appeler les darons. Ah, faut appeler les darons, j'avoue. Attends, faut voir un peu l'eau là. Eh non, les bols. Ouais. Non, c'est pas désagréable. Le jacuzzi d'hier était mieux, mais elle est pas mal. Oh, il est debout. Oh, le mont. Ah, mais attends, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez bien, les gars, la cam. Mais ce skate, il est au-dessus de l'eau. Mais par contre, il est grave loin. Non, mais il est grave loin. Ouais, la plante, ça vole. C'est incroyable. En vrai, faire ça tous les jours, ça doit être un truc de fou. Bon, les gars, on est en train d'avancer vers les espèces. C'est quoi? C'est des bunkers? Ouais, c'est des bunkers. Ok. Et pendant ce temps-là, ça prépare la stratégie pour appeler la daronne. Mais faut dire la vérité en vrai. Ouais. Parce que gros, dans tous les cas, elle va me voir débarquer avec une caméra. T'as une idée de ce que tu vas dire là? Je sais pas. Non. Mais en vrai, tu dis ouais, on a trouvé. Tu dis Michou et tu dis c'est qui? Bah, regarde sur YouTube, tu vas comprendre. Il vient dormir à la maison. Point. Tu raccroches. Lui, je le sens déter, lui. Ouais. Ah ouais, mais gros, les dunes, c'est trop stylé. Oh, c'est pas chaud, la roulade, là? Oh, la roulade. Bon, j'ai mangé du sable, hein. Je t'ai poussé deux fois en même temps. Dobby, t'es en galère ou quoi? Les gars, je suis mort. Oh, la vue, gros. Dobby, on venait un chouille plus tôt, là. T'avais une photo Insta. Elle était magnifique. Mais mec, c'est incroyable, les bunkers. Wesh. Ça va, tranquille, je te dérange pas. Ici, ça doit taper des soirées, ici. Ça doit taper des fiacs. Oh, quoi? Quoi? Ouais, j'avoue que ça doit ken. Ah ouais. Ah. Mais mec, je suis sûr que tu rentres, qu'il y a quelqu'un dedans. Non, non, je rentre pas, arrête. C'est ça, vous, ils veulent. Bon, vas-y. Arrête. Arrête, il y a une araignée. Attends, je rentre la cam. Mais c'est tout petit, y'a rien. Ouais, je rentre pas plus loin. Ça fait trop peur. Oh là là, mais ça c'est trop stylé. Oh, le saut, t'es prêt ou pas? Tu crois que je le fais? Il est genre un peu mal. On rentre. Et du coup dedans c'est. On peut pas rentrer. Ah si. Bah nous on est rentré mais par le petit trou. Y'a des grilles et tout. T'es rentré par le petit trou là? Par le petit trou devant. Mais attends, mais gros, mais t'es un malade. Moi je rentre dans ça, j'ai l'impression que je vais plus pouvoir sortir. Ça doit être ouf hein. Ils étaient postiches ici. Pendant la guerre? Ah mais oui, c'est des bunkers genre où ils attendaient les Anglais. Moment fatidique. Oh, ça va appeler la daronne. Tu sais que j'ai une pression de fou. Hein. Ouais, ça va? Ouais, l'heure, t'inquiète. J'ai un truc important à te demander. Non. Tu râles pas? On a rencontré quelqu'un. Est-ce qu'ils peuvent dormir à la maison ce soir? C'est un youtubeur très connu en France. Et ce soir, il a nulle part où dormir. Et son truc, c'est il doit dormir chez des abonnés. Il peut venir cette nuit? Je te le passe deux minutes. Oui, bonjour madame. Du coup, je suis le youtubeur en question. En fait, je fais des vidéos sur internet. Et on fait une vidéo dans laquelle on fait un espèce de tour de France. Et le défi ce soir, c'est de dormir chez des abonnés. Et comme en fait, on a rencontré vos fils sur la plage en train de faire du kitesurf, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, comme on s'entendait bien, je leur ai demandé si ils pouvaient m'héberger ce soir. Et du coup, forcément, ils passent
passe par vous. Ah bah oui. Alors tu fais la maman cool ou Paul? Ouais, on n'est pas abonné. Ah c'est vrai. Suis, moi, il est jamais trop tard hein. Comment? T'es nourri à l'hélium? T'es nourri à l'hélium? C'est quoi ça? Ah ma voix. Il est nourri à l'hélium. Sur le seul gars donc qui va faire que de charrier. Bon, on part sur un oui là. Fait pour un bien, ok, on arrive. Fait pour un bien, ça veut dire oui? Ça veut dire oui. Oh merci beaucoup monsieur. Fait pour un bien, ça veut dire oui gros, j'ai jamais entendu. Ça veut vraiment dire nous, on se mêle de rien. Ok, ok, j'ai capté. Purée, bah bel endroit. Bah du coup les gars, direction la Fiat Panda, vous la voiture et on vous suit hein. Vas-y. Par contre les gars, j'ai une question. Parce qu'en vrai là, depuis tout à l'heure, on passe un bon moment ensemble, je connais même pas vos prénoms. Ouais, bien vu. Toi du coup, j'en ai du Raph. Ouais. Du coup, Raphaël. Ok. Et Maxence. Ok. Enchanté les gars. Enchanté. Bon, les gars, on est chez les frérots. Ça s'est bien passé avec le daron. Mais en vrai, il est trop gentil, votre papa, les gars. On graille? Vas-y, go. Ça va, ça? Mais mec, bien sûr que ça va, gros. Moi, les gars, moi, je m'attendais à manger de l'eau. Oh, les gars, ça va se régaler, hein. Vous nous avez reçus comme des rois, hein. Les boss, hein. Coca bien frais, chacal, ça fait plaisir. J'ai pris une petite part de 4 fromages, là, dinguerie. Tu te lèves à quelle heure, toi, demain? On va se lever en même temps que toi, hein. 7h30. Vas-y, on prend notre petit déjeuner ensemble et tout. Hein. Comme ça, toi, tu pars en cours et nous, on part pour continuer la journée. D'ailleurs, les gars, on a eu un petit problème là, sur la route pour venir avec la Fiat. Genre, la courroie, vous savez qu'elle fait un bruit, sauf que là, le bruit est resté. Et du coup, faut faire quoi? On va retendre la courroie. On va retendre la courroie. Évidemment, je sais pas le faire. Heureusement, Dobby est là. Ah, mais vous connaissez pas mon âge, à votre avis? Peut-être à 20 ans, peut-être. Ouais, c'est ça, genre 20 ans cette année. Oh, attention. Ça vous dérange pas si je vous filme? Ça écoute le son, ça écoute le son. Même pas d'abonnés, pas vraiment. Hein. Mais c'est vrai, ouais, y a beaucoup d'autotune, hein. Donc pour l'instant, celle-là, c'est comment? J'ai l'impression que ça veut pas trop donner son avis, c'est mauvais signe. Non, il faut que j'écoute. Ah, faut écouter plusieurs fois, ouais, c'est vrai. Dans le club, là, c'est technique. C'est ouais. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. J'ai peur parce que là, y a plus d'autotune. Ouais, c'est vraiment une musique où juste tu danses, t'écoutes pas. Oh, après faut essayer M2MT. Non, c'est qui fait ce type, alors. Si, si. C'est le pire son qu'il a fait. Non, non, il est dard de fou. En vrai, là, c'est comment? C'est pas ce que j'écoute, hein, mais ouais, ça passe. Hein. Ça passe. Ah, la cobale est un peu en mode. Mais si t'aimes pas, j'ai vraiment essayé plein de trucs différents. T'es mal la couleur de mes amis? Je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. Je sais très bien qu'ils sont mes amis. J'ai peur du verbe. Tu valides le flow avec Lox ou pas en vrai? Moi j'aime bien mais... Ah t'aimes bien? Ouais. C'est vrai. Bon, la coupe des Lox a été validée déjà. Et le son? Ça va en vrai. Oh, je sais pas ce que j'écouterai. Ouais voilà, ok. Mais ça te choque pas en vrai? Non. C'est toi ça? Ouais. Ah ouais. Avec madame. Ouais, ça c'est pour s'ambiance avec madame hein. Tu joues pas au nous avec ce son. C'est quoi ça mon ref? C'est la pièce musique du padre. Ah ouais. Mais gros il est déter hein. Il est déter. Mec il a un vrai stud. Incroyable. Ça se voit il doit trop kiffer hein. Non, vrai, ouais, oui, il doit trop bien. Kiffer gros. Oh ouais. C'est là qu'on dort nous ouais. Mais on est... Attends on a tout ça pour nous là. Mais les gars, mais on est trop bien. Je veux une vidéo pour moi. Faut que tu prennes les deux haltères et que tu lèves. Tous mes potes ils ont pas réussi. Et faut que tu prennes les deux haltères en même temps et que tu lèves et que tu fasses juste ça. Un seul. Vas-y. Viens, essaye. C'est combien de... Je vais te montrer. Regarde, tranquille. Tranquille. Bon, arrête. Genre, tu viens, tu prends les deux, tu fais ça, tu fais juste ça. Ok. Ok. Franchement, je veux trop te filmer. Vas-y. Je veux ma vidéo. J'ai l'impression que tu me fais faire un truc de fou là. Mais tu verras. Vas-y. C'est franchement, bon. Je te laisse faire. J'ai peur. Tu te mets droit et là, tu lèves les deux en même temps. Oh bâtard. Mais attends, mais comment tu fais? Mais genre vraiment genre. Mais mec t'as trop de force. C'est combien de kilos? 16 de chaque côté je crois. Non 15, mais 15, gros. Mais attends, mais pourquoi j'arrive pas? Vas-y. Ah Dobby essaye. Attends mais what? J'ai 15 ans. Oh la vache. Oh non mais t'as pris un élan aussi, t'es un tricheur. Vas-y, mets-toi droit, essaye de te mettre le plus droit possible. Et là tu montes juste avec le biceps. T'as vu, c'est pas pareil. Putain, il flex, hein. Ok. Bon, toi, tu devrais aller te coucher, demain, t'as école. De toute façon, je serai réveillé avant vous, ça tombe. Mec, c'est trop bien de pouvoir te foutre le seum. Dobby, on est d'accord, je dors dans le lit, tu dors dans le canap. Mais non, on dort là, nous deux, ensemble, comme ça, colle. Comment ça? Bah si, on dort ensemble, frère. Non, gros, tu dors dans le canap. Non, on dort là, frère. Tu dors dans le canap, dors là. Après, j'avoue, le lit, il donne envie. Hein. Vas-y, moi, je dors collé au mur. Peut-être vers là-bas. Toi, mec, gros, non. Je dors pas avec toi. Vous avez pas une autre chambre, les gars? Quoi? Non, Dobby. Attends, regarde. Mais les gars, qu'est-ce que vous faites là? Bon,
Bah les petits BG, j'ai l'impression que ça va dodo. Le matelas gros, tu t'enfonces dedans. C'est la fin de ce jour 2. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Mais gros, on a été ultra chanceux. On est tombé direct sur les bons abos. Trop sympa, trop accueillant et tout. C'est grâce au trèfle à 4 feuilles de ce matin. Bref, les gars, je vous fais des gros bisous. Moi je vais me coucher et on se retrouve du coup demain les gars pour le jour 3. Bisous l'équipe.